Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 51 de notre aventure sur God of War Ragnarok. Comme d'habitude, 4K 60 FPS, un casque ou des écouteurs. Je peux vous dire que ça commence à faire beaucoup et qu'on a peut-être là le record du jeu le plus long en let's play sur ma chaîne. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est fascinant. Je peux vous le dire. Maintenant qu'on a rétabli l'eau, on va peut-être enfin... Il nous aura fallu 5 épisodes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 5 épisodes pour terminer une quête secondaire. C'est exceptionnel. J'en dégueule. J'en dégueule. Notre bonne action semble avoir déjà des bienfaits sur la faune. Ah! Je crois que j'ai parlé trop vite. Ok. Le sentier des morts. Commencez. 5 épisodes, les amis. 5 épisodes. C'est. Le dragon est perché sur cette structure. Gigantesque. C'est énorme pour. Oh là là. Et ça s'arrête pas. On fait que découvrir des trucs. Oh, mais c'est trop. Mais c'est trop. Mais c'est beaucoup trop. Wolver sur la gauche. Ah. Derrière toi, regarde. Ok. Hop. Toi mon pote. Ok. Donc on disait. Excusez-moi. Ok. 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 C'est bon. Ça me plaît. Let's go. Boum. Cassage de bouche. Let's go! Voilà! Ça, c'est commencer un épisode, les gars. Et c'est plutôt bien commencer, je dirais. Ok. Très bien. Et. Oh, 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 oh. J'ai pas vu un nouveau. J'ai vu. Ok, super. Alors, comme je disais, là, on a quelque chose. Hop. Ah, non. Là. Oh, il m'a fait trop peur, lui! Il m'a fait trop peur, le man. Ok. Ça, c'est fait. Ah bah, c'est lui qui s'est fait... Qu'est-ce que tu veux? Oh non, une autre tête, ça s'arrête jamais. Ton père? Oui. Alors tu dois comprendre. Mon fils. Ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus. Ce jour, tant de chaos et de mort. J'étais paniqué. Je cherchais mon fils. Je t'en prie. Aide-moi à retrouver mon fils à Folkvanger. On va l'aider, n'est-ce pas? Quelle est la dernière chose que tu as vue, esprit? Des statues. Deux statues. Des dragons qui se tournent le dos. Séparés comme mon fils. Ce jouet, il me ramènera à lui. Ok, 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 ok. L'histoire est courante dans la vallée. Séparés d'un être cher par la mort. Merci mon ref. Nous devons le ramener à son fils. En effet. Vraiment? Je pensais que tu dirais quelque chose comme « Réunir les morts est futile ». Passe à ce joueur. Il faut le reconstruire. Ok, j'essaye de voir. J'essaye de voir. C'est forcément... Tout est forcément pas loin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez attentifs. Soyez attentif. Un écueil céleste. Alors j'ai peut-être besoin de comprendre ce qu'on vit là avant de l'utiliser, ce bordel, non? Je sais pas. On va aller là-haut. Ok. Ça, hop, cassage de coffre. Ah! Ok. Il manque une lettre et ça ressemble à un N, je dirais. Très bien. Ça, je prends.
En continuant par là, nous devrions atteindre le repère du dragon des airs. Ah, El Dragon. Je voulais m'assurer que tu sais où tu vas. Merci. Del Zerbos. Putain, le jeu est beau, hein. Oh, le jeu est beau, plus cher, hein. J'ai l'impression que ça s'arrête pas à toutes ces découvertes. Ok. Putain, où ça peut être le dernier truc à faire tourner, bougez pas. Donc, il y en a eu un à droite, un en haut. Un à droite, un ici. Superbe. Ou peut-il être... Il y a un monde où il est derrière, en fait. Je pense. Il y a un monde où il est derrière. Let's go. On va aller checker. Bonsoir, bonsoir. Ça reste dans un périmètre accessible. Ah, un chasseur vit ici. Il est imprudent. Pourquoi cela? Nous sommes chez lui. Je pense que c'est ici que la furie sauvage se repose. Nous devrions l'attendre. En embuscade. Elle ne reviendra pas si nous sommes là. Elle est rusée. Ok. La furie sauvage, qu'est-ce donc encore que cette connerie? Oh, c'est quoi ça? Ok. Bon, eh bien écoutez. Plus rien à faire. Plus rien à faire. Superbe. On peut s'en aller. Enfin, je dis superbe. On n'a pas avancé du tout, mais enfin. Ok, et si je change de temporalité, ça nous emmène où cette bêtise? Tiens, pour moi c'est quelque part par là, hein, en vrai. Hein. Pour moi c'est quelque part par là, les amis. Hein. Le dernier truc pour le coffre. Ok. Alors! Bon, vas-y, on va casser la gueule d'un dragon, là. Allez, c'est bon, on va casser sa gueule. Il va pas nous casser. Ok. Oh, putain, il y a l'énigme. Il faut qu'on arrive à passer ces ronces. Oh, putain, il y a l'énigme. Ok. Oh non. Pardon. Aoka. C'est un monstre. Très bien. Très très bien. La voie est libre. La voie est libre. Eh bien, écoutez, si la voie est libre dans ces cas-là, on y retourne. Superbe. Ça, je prends. Ok, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ce qui se passe. Let's go. Attire tous les ennemis avant de les projeter au loin. Oh, c'est beau, ça. C'est stylé de fou. Ça, je vous le dis. Et je vais même l'améliorer parce que ça, c'est vraiment stylé. Putain, j'hésite à améliorer ça. Les amis. Les amis. J'ai quand même de belles choses à faire là. Oh la vache. Ok. Ok. Très bien. Très bien ça, ça me plaît. Voilà mon pote. Et c'est fait pour, hein.
c'est totalement fait pour moi. Atreus, il est au max. Allez, ça dégage. On est où, là? Qui suis-je? Où suis-je? Comment je m'appelle? Très bien. Oh, c'est trop tout ça. Oh. Rocher! Wesh! Un ogre! On ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors, nous devons nous approcher. Oh putain, je vais pas là. Oh putain, il est là. Très bien, regardez. Le dernier est juste... Ok. Let's go. Incroyable. Incroyable. Ça me plaît bien, ça. Bon, allez, on va casser la gueule de l'ogre. Il va pas nous casser les coronaises bien longtemps. Oubliez pas qu'il y a 10 milliards de choses à faire juste derrière. Eh, c'est terrible, hein. Cette quête secondaire aura fait 5 voire 6 épisodes. J'ai du mal à me rendre compte de la dinguerie de ce qui se passe, là. Réel, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ok. Allez, c'est parti. Alors, biba biba boum. Attention à l'ogre. On ne peut pas passer tant que l'ogre n'est pas mort, c'est ça. Parce qu'il a dit pas prendre le risque. Ok, bah bien joué à toi l'ogre. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de passer. Et ben écoutez, on se casse. On va aller lui casser la gueule ailleurs. Attends, quoi? Ok. Et comment puis-je faire? Attends, c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, d'accord. C'est la première fois qu'on voit des petits chemins comme ça. Très bien. Et bien écoutez, on peut partir. Je pense qu'on n'a rien à faire dans ce cas présent. On a déverrouillé tellement d'autres possibilités. Et je crois que celui-là est le dernier dragon. Attendez. Là-bas, il n'y avait rien. Là-bas, il n'y avait rien. 360 noscopes. Allez, on prend le radeau. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, on peut encore aller à droite. Et ça s'arrête jamais. Mimir, le masque d'Odin. Comment a-t-il découvert son existence? Il dit qu'une voix s'est adressée à lui un soir, l'implorant de trouver le masque et de prendre en main son destin. Personnellement, je pense que ce sont des foutaises. Odin s'est saoulé, il s'est mis en tête qu'un masque en bois résoudrait tous ses problèmes, et il a ratissé les royaumes jusqu'à trouver une babiole assez mystérieuse pour faire l'affaire. Ce masque ne vaut probablement rien. Oui, probablement. Ok. Allez, on est parti. Putain, c'était la merde, ça. Très bien, très bien, très bien. C'était un peu le caca. Allez, ça en prend. Hop, gros brisage comme ça de coffre. Attends, quoi? Ok. Donc avec le bateau, je suppose que je pourrais aller là. Qu'est-ce que... Ok, bien joué. Bien joué à Traitré. Ok. On va avancer en parmesan, les amis.
Attends, je suis juste venu casser des gueules là. Qu'est-ce qu'on vient faire là, les potes? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Je suis juste venu casser des bouches. C'est presque trop gratuit. Ok, ok, ok. Pourquoi pas? On se casse. Et on va aller justement dans le petit chemin à droite. Mimir, si je rencontre une personne qui me plaît, comment savoir si elle... Enfin, si je lui plais aussi. Est-ce qu'il y a... quelqu'un? Je... Non. Simple curiosité. En fait, c'est sans importance. C'est... Oh putain, y'a le troll. Si on continue d'avancer, l'ogre nous tombera dessus. Il vaut mieux qu'on s'y prépare. Allez, t'inquiète, je suis prêt, mon pote. Cassage de chicos. À l'attaque! Oui! Je m'en charge! Aoka! À ta droite! Ok. Très bien. Ok, ok, ok. C'est bon. Ok. Derrière toi, regarde. Let's go. C'est une affaire. Allez, let's go. Vache. Voilà. What? Très bien, je suis content. C'était le nôtre, espèce de pourriture. T'as regagné son perchoir. On doit le suivre. Tu peux rejoindre ton fils maintenant. Et ben voilà. Merci. Let's go. J'ai hâte de revoir son visage. Je lui donnerai ce présent et lui parlerai des braves qui m'ont aidé. À toi de nous aider. Qu'as-tu vu ce jour-là? J'étais à la hydromel. Thor était là, avec un étrange compagnon de boisson. Une créature d'un genre que je n'avais encore jamais vu. Avec un fût d'hydromel qui semblait ne jamais se vider. Que faisait-il? Il se saoulait comme on l'a rarement vu. La boisson coulait à flot, on festoyait, tout le monde était enivré. Mais Thor, il était de loin le plus éméché de tous ce jour-là. Ok. Mimir, qu'est-ce que cela t'inspire? Thor a toujours aimé boire en compagnie de gens douteux. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette mystérieuse créature. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. C'est au moins une chose. Thor était ivre mort quand la vallée a été détruite. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et la location de ta mère demeure incertaine. Allez. Les amis, laissez-moi vous dire qu'on se régale. On était parfaitement de l'autre côté, hein, la dernière fois, souvenez-vous. Enfin, on n'était pas de ce côté-là, on était là-bas plutôt, je crois. Ah non, on était venu ici. What the fuck? Toi, t'es le meilleur. Il y a un corbeau de moi. Ça dégage. Excusez-moi. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire tout le tour. Qu'en pensez-vous? On va littéralement pouvoir refaire tout le tour. Il n'y a plus l'ogre. Superbe, let's go. On est très 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 bien. Voire bien mieux que très très bien. Il y a trop de choses à faire, c'est fou les amis ce jeu. Les amis, dites cette frères, quête... Comment avez-vous réussi incroyable. À tuer Garm finalement? On l'a tué plusieurs fois en fait. Mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Et je lui ai donné celle que j'avais. Je te demande pardon. Fenrir, tu te souviens de la lueur qu'avait vu Père? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort. C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, j'ai simplement inséré Fenrir dans Garm. Très malin, petit! L'âme d'un fidèle compagnon dans une gigantesque créature infernale! C'est brillant!
Ok. Bon, repassons aux choses sérieuses, les amis. Et cette fois-ci, voilà, prenons... La voix est bon. Mets avis que ce dragon a les écailles qui tremblent. Bah, il a pas vraiment les écailles qui tremblent, étant donné qu'il m'a pété à mon... Quand nous approcherons du dragon, ce sera lui ou nous. C'est compris? Oui, père. Ça sent pas bon, ça. C'est la sale histoire. Ok. Allez! Attention! Wow! J'ai eu peur. Oh non. Oh non. Mais non. J'avais pas acheté, rappelez-vous, chez votre marchand de journaux, malheureusement, de putain de vie. Ok. Allez! Ok. On va utiliser ça. Attention! Oh, quoi? Oh, tu picores trop, toi. Ok. Je suis pas serein. Okay. Oh non. Mais non, mes frères. Je gèle, je peux rien faire. Il arrive derrière toi. Ah! Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? C'est pas vrai! C'est beaucoup trop chaud. J'ai l'impression qu'on peut pas y arriver sans putain de revive. Ok, c'est parti. Parce qu'avec le revive, au moins, j'ai mon coup du spartiate, tu vois, mon coup du sort. Allez! Attention! C'est pas... Non, mais n'importe quoi! Je suis en total esquive, je suis désolé! Goku est en train de geler! Oh là là. Ok. Ok. Oh!
Je fais des bruits très chelous. Non ! N'importe quoi. Ok. Allez. Tout est faisable, tout est faisable. Ok. Mais non ! Mes frères ! Ok, ça va. Les gars, ça se joue à... Putain, ça se joue à rien. Non ! L'aller-retour alors que je bois me transformer ! Oh. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, dernière tentative, les amis. Dernière tentative, je... Allez. Là, c'est du gros tryhard. Hein. Allez ! C'est en vrai... Aoka ! Ok. C'est pas mal du tout. Voilà. Okay, très bien. Très très bien. Très très bien. Allez. Allez, c'est pas mal. Parole, relâche-nous, espèce d'enfoiré. Ok, c'est pas mal du tout, les gars. Oh la satisfaction! Fou! Terminé. Pour sûr. Et cet ogre n'est pas prêt de se relever non plus. Ok les amis. Pourquoi je peux pas le mettre? Pourquoi je peux pas le mettre? Je dois avoir plus de vie que ça? Ok. Je peux entendre les animaux. Ils sont soulagés. Peut-être qu'ils sortiront de leur cachette. Oh. En comptant celui-ci, nous avons éliminé environ la moitié des dragons de ce cratère. Quoi? J'entends les oiseaux. Non, ils nous encouragent. C'est gentil. La moitié? Non, ils rigolent. Non, ils rigolent. Oh les gars, il rigole, dites-moi qu'il rigole. Dites-moi que c'est une vulgaire fumisterie. C'est pas possible. Ok, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On va passer par là. On va juste back au calme, on a fait tous les coffres.
On a tout fait, on est monstrueux. Ok. Dites-moi que c'est une blague. On est reparti, les amis, là où il y avait l'éclair. Et attendez, parce qu'il y a à gauche aussi. Et ça, ça m'intrigue, on va aller checker à gauche. Et après, je veux plus revenir dans la jungle. Mimir, ça m'énerve, la jungle. Tu connaissais Garm? Pourquoi a-t-il été enfermé au départ? Ah, la sentinelle féroce de Hel. Figure-toi qu'autrefois, Midgard était plus vaste. Et puis Garm, encore tout petit, a eu une fringale. Il a mangé Midgard? Seulement quelques montagnes. Et la cinquième saison, qui venait entre l'hiver et le printemps. Et le mot qui décrit l'état dans lequel on a tellement faim qu'on n'a plus faim. Plus tard, mon frère. Le combat nous appelle. Ok. Bah, le combat nous appelle, mais pas ici. Allez, on s'en va. Les amis. On a battu un dragon. On a battu un ogre. J'ai quand même envie d'essayer un truc. J'ai pas envie qu'on meure con, parce que les gars, je crois qu'il y a un autre accès. Regardez bien. Je crois qu'en faisant ça, on va rétablir l'accès du pont, là. Ça me paraît logique. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Il y a forcément un autre accès. Oh, en tout cas, waouh, quel épisode. Quel épisode. C'est fou tout ce qu'il y a. C'est donc ça le jour. Pas d'autre accès. Pas d'autre accès, on m'a menti. Allez, on se casse. Dis, Mimir, comment Garm avait-il été capturé? C'est Tyr qui est parvenu. Il a attiré la bête en lieu sûr et l'a distraite en lui donnant son bras à mâchouiller. Une fois les chaînes en place et la porte de Helheim ouverte, Garm a arraché le bras de Tyr pour se venger. Mais Tyr a encore ses deux bras. Ah, il a fini par repousser. Tyr est un dieu plein de ressources. Ok. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Mon tryhard n'a pas été tout repos, pour être très franc avec vous. Déjà 5 épisodes de quêtes secondaires. Et là, on est où? Si je me souviens bien, nous disions que manipuler les détails d'une prophétie pouvait avoir des conséquences désastreuses pour qui y croyait. Sur ma terre, j'étais proche d'un certain cercle de sorcières des Landes qui avaient pour projet de renverser l'ordre établi. Elles choisirent un baron influent, un homme tout ce qu'il y a de plus loyal, et lui prédire son accession au trône. Et il est temps d'y aller. Histoire attendra. Allez les amis, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. À très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.